va botangayo, bokaya kitokoi. Epa yongana botama, ekolo ya bwanyao. Bande koto sanganao, koto tumbola kongo. Eko manalo kumo. Mwana Kongo, kende kelasio. Komengo yoyo za kolukao, eza na maboko nayo. Bande koto la mukao, koto tombula Kongo. Pekende se liboso. L'intervention de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été extrêmement salutaire à un moment où le drame était profond. Et n'eût été cette intervention rapide, et nous aurions connu énormément de situations déplorables, quoique ce qui est arrivé est déplorable et difficile. Et cette intervention rapide s'est située à deux niveaux. Avant même que nous, les députés, nous arrivions sur le terrain, le chef de l'État avait dépêché ici, dans l'Ituri, et principalement dans les territoires du Djougou, où se déroulaient les drames, les premières forces de défense et de sécurité, qui rapidement, dans la semaine, ont stoppé de manière significative les tueries qui s'y déroulaient, mais aussi les déplacements des populations, ainsi que les incendies des maisons et des commerces. Le deuxième niveau de l'intervention de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'envoi à Bounia, à Ituri, de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, en charge de l'Intérieur, ainsi que le Ministre de la Défense, son conseiller spécial en matière de sécurité, ainsi que l'inspecteur général de la police. L'arrivée de cette délégation de très haut niveau a permis à la fois de prolonger la première intervention, deuxièmement, de la consolider, et avec les instructions qui avaient été données, la situation s'est nettement améliorée. Actuellement, ce que nous vivions comme drame s'est estompé. D'où justement, nous voudrions profiter de cette occasion de remercier au nom de la population de l'Ituri et plus particulièrement la population de Djougou, d'exprimer nos remerciements au chef de l'État pour son implication et son intervention rapide. Nous voulons justement inviter toutes les communautés à saisir cette opportunité. Et ici, je voudrais aussi inviter la population de la province de l'Ituri de se rappeler de tous les messages qu'ont toujours diffusés leurs élus, que ce soit les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux. Chaque fois que nous nous réunissons au début de nos vacances ici, nous ne cessons d'appeler la population
à vivre en paix et en sécurité. Nous félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale, grâce à eux, la paix commence à revenir, mais la situation des déplacés de guerre est catastrophique parce qu'on a incendié leur maison. Nous invitons le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement provincial, tous les hommes de bonne volonté et les humanitaires, de tout faire pour apporter leur assistance aux déplacés de guerre et aux réfugiés qui sont en Ouganda, qu'ils puissent retourner dans leur village. Et il n'y a que cela. Moi, j'étais très content parce que les représentants de toutes les deux communautés ont demandé que les marginaux là, les assaillants puissent être recherchés, arrêtés, mis à la disposition de justice et qu'ils aillent en prison, qu'ils doivent sortir la rigueur de la loi. Je félicite Son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Il a dépêché les meilleurs de ses collaborateurs. Je vais parler les deux ministres, les deux vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et de Sécurité, à commencer par Ramazan Shadari, et ensuite le professeur Mova Sakani, qui sont venus ici. Et comme si cela ne suffisait pas, il a envoyé l'inspecteur général de la police nationale, le général Amouli, et à la fin, il a envoyé le ministre de la Défense nationale, Son Excellence Atama. Ce sont des meilleurs collaborateurs du président de la République. Comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État a encore doublé et l'a envoyé son conseiller spécial chargé des questions sécuritaires, et le professeur Mbouyou, qui sont venus et ils ont écouté, ils ont suivi, ils ont sillonné, ils ont tous les rapports. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est suffisamment informé de tout ce qui se passe à l'Ituri. Nous sommes habitués à l'amour, à l'amitié, à la fraternité. Nous sommes derrière Joseph Kabila Kabange, c'est le père de la nation, le père de la nation. Nous étions parmi les premières personnes à réclamer la province. Et quand nous réclamions la province, nous étions sûrs parce que nous connaissions notre force. Nous avions de la richesse au sol, au sous-sol et partout. Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que nous ne puissions ne pas développer. Le moment aujourd'hui est de faire rien que la paix. Moi, je crois que nous devons parler avec nos frères, les convaincre pour dire non, terminer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons salué à juste titre les efforts fournis par le gouvernement, tant provincial que national. Ces efforts se justifient par deux missions successives effectuées d'abord par l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadari. Ensuite, la récente mission de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Ari Mova Sakani. Les efforts qui aujourd'hui commence à produire des fruits que nous saluons tous. Alors, la communauté Lendu compte beaucoup sur ses efforts pour que la paix revienne dans le territoire de Djougou en particulier et dans la province de l'Ituri en général. Voilà l'avis de la communauté Lendu. L'appréciation est très positive, mais nous particulièrement, nous avions dit qu'il ne s'agissait pas d'un conflit interethnique, il s'agissait de faits qu'on pouvait plutôt combattre ensemble, identifier les auteurs et ensuite les punir conformément aux lois du pays. Et si aujourd'hui le chef de l'État s'est personnellement engagé dans l'éradication de ces cycles de violence, nous le saluons à ce juste titre. Depuis toutes ces missions dont je venais de parler précédemment, nous avons proposé à toutes ces autorités nationales qui sont arrivées ici que c'était important qu'ils s'impliquent pour que les violences s'arrêtent. Nous saluons l'implication personnelle des chefs de l'État dans la résolution de ces conflits. Heureusement que
Tous les Ituriens ont compris trop tôt qu'il fallait faire l'effort commun contre l'ennemi de la paix dans la province de l'Ituri. Et aujourd'hui, ensemble, avec leurs appuis aux efforts du chef de l'État, les efforts sont en train de donner leurs fruits. Et nous saluons tous ces efforts et nous disons, nous communautés, sincèrement merci pour cette implication personnelle du chef de l'État. Tunashukuru kwa raisi kwa kazi amefanya katika Ituri. Unajua Ituri ko parmi ma province zenye ziko munjia ya kuendelea vizuri na ni province yenye inaegorje richesse mingi sana, minier, mai na kila kitu. Na tunaamini kama pamoja na kutuweka mkono kwa raisi, Ituri itabadilika sasa hivi. Kitu ninataka ambia kama ujumbe juu ya population yote ya province ya Ituri ni kubambia kama bakuwe na confiance na rais Joseph Kabila na kweli anaiko determine kuleta kimya mwai Ituri na vile kimya imeingia maendeleo sasa iko kunjia juu ya kudevelope kila sekter yote yenye iko mu Ituri juu province ipate kuendelea na kubadilika na batu ya Ituri na basi bakuwe pamoja na baunge kimya na salama na baache kufuata mambo ya kutoka ngambo na ngambo juu tujenge jimbo yetu. Nous devons nous aimer, ils doivent laisser leur conflit derrière eux parce que du coup à cause de leur conflit par exemple il y a des innocents qui meurent. Alors je vais leur demander de vouloir bien faire la paix. Bande koto la mouka.